sans l'intérêt qu'il y a, sans l'enjeu. Laquelle? Avant ou arrière? Je suis à 20,3 à l'avant, 20,5 à l'arrière. Je pense que ton 20,5 à l'arrière, tu peux le monter un chouïa. Je pense que tu peux mettre 20,6, je pense que ça passe largement. Moi, j'ai fait la réaliste hier. J'étais en 23,0 et 20,5 et en 20,6 et j'avais un écart de 10% d'usure entre l'avant et l'arrière. Ah oui. Ouais, à l'avant, 23,0, 23,1, ça passe. Mais 23,0, c'est bien. 23,9, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Tu peux Toi, tu veux descendre en spin, 20. toi. Tu peux descendre en 23,0. 23,0, 23,2, après, ça passe. Hein. À l'arrière, tu peux mettre 20,6, c'est bien. 20,5, c'est bien. Mais pas en dessous. Mais pas en dessous. Hein. Vraiment, 20,6, ouais, pas en dessous. Enfin, 20,5 aussi, ça passe. Hein. Ça dépend de ta conduite après. Parce qu'après, il ne faut pas spin non plus. Parce que si tu spins et que tu mets de la température élevée, ta pression, elle va faire que tes pneus, ils vont rester chauds et t'es encore pire. Oh. Donc, ça sort. Inoua, Vitek, Alba, Fab, Essinet, Pio, Indien. Ils ont pas le temps. Et je déguste le bitume. Hein. Ça me paye le déguste là, c'est le gobe. Ça va être une course tendue hein, ce soir, je tiens à vous Attendez, préciser. j'enlève mon pull. Ça va être tendu, hein, Vinny, ce soir. Je pense qu'il va y avoir de la tension. Avec Big Shoot et Indien. Je suis le seul mec à pas être sorti. Super. Je pense qu'il va y avoir des tensions aussi. Mais déjà, L'Alpine qui va. il Inoua et Willex, c'est pas fini le championnat pour eux. Hein. Ah non! Ils sont en coude à coude, je crois. Ils sont au coude à coude. Inoua est devant, je crois. C'est chaud patate. Mais Big Shoot, il a dit, il a mis un petit message de, pas de menace, mais de peur sur Indien. Il lui a dit, quand tu es derrière moi, recule. Et il a dit, c'est pas des menaces, c'est juste que je vais changer ma façon de conduire. Qui Mais Big Shoot? ouais. Tu vas au lit, Choubidou? C'est quoi? Ouais, c'est Big Shoot qui a dit ça, donc Oui, à propos d'accident avec Indien. par rapport au fait que lui, il a pris 5 secondes et que Indien, on lui a retiré ses secondes. En fait, ça lui plaît pas.
reste plus qu'un seul tour de carburant. Confirmé, on t'attend au stand à la fin de ce tour. Panne d'essence. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose sur ce. Mais quand tu gênes quelqu'un, c'est ban calif principalement. Tu peux prendre des points aussi, comme il avait pris Lou sur Ciné. Mais. Ouais, de toute façon, tant que tu es pas en tour chrono, ça sert à rien de poser des éclats. Donc. Tu vois que Dayard, il a gêné Pitot à la Utah League, il prend un ban qualif. Les gars, vous aussi, quand vous chiez, vous avez mal au cul. C'est pour ça que tu dis ça pour taper 10 ou... Non, juge, c'est réel. C'était pour détendre l'atmosphère. Moi, personnellement, je suis pas tendu. Je suis en train de me faire un petit match de FIFA, t'as vu. Tu l'exploses au moins, j'espère. Écoute, c'est tendu, hein. C'est un putain de fils de pute de 5 DF. Oh merde. Et c'est pas des défenseurs de PD, tu vois ce que je veux dire? Ouais, des bons gros Van Dijk bien rugueux. Van Dijk, Laurent Blanc et Militao, il a ce fils de pute. Il y a mieux, hein, mais. Oui. Mais pas beaucoup. On occupe la 17ème place au speed train, 334,6 km/h. Vérification terminée, attention à tout le personnel, une monoplace va partir. Allez, mange ta mère. Ça c'est dit. La messe est dite. Ouais. 5 DF, DF auto, full pressing. Il est plein de tous ces bugs là, les L1 triangle. Ouais, les ouais. R1 quand tu cours, tu as compris. Bug d'engagement, il a essayé de faire tout de suite là pendant longtemps. Je vais me focus un peu sur vos chronos. 25-6 indien. 25-6. Et ils ont le même chrono Inoua et Indien. C'est trop. Wesh. Clay 25-7, 15, Noski 715. Putain, ils sont à 3 millièmes. Dishoot et Willex 31-43. Putain, c'est. Indien, il la traîne comme un enculé hein, sur le Silver Soul. Hein. C'est son circuit, il adore ça. Oh, le ciné, bientôt. Je peux encore gagner du temps, je veux pas le faire. Il doit à 25-3.
se prendre une demi-volée par Van Dijk quand même, tu devrais faire start quitter normalement. Un peu raté, je vais rentrer au stand pour pas. Tu passes en combien à Chapelle? À Chapelle? Ouais, enfin le nom là, machin truc de Chapelle. C'est les enfilades, ça, c'est les 3S. Ouais, ma cote Beckett Chapelle. Hein. Ouais, Beckett Chapelle. Ouais. Bah, ça dépend, au début je reste en 8. Ouais. Le premier gauche. Enfin, il y a le droit, tu le passes à fond. Le gauche, je retrograde en 6. Et le droit, donner droite, soit je reste en 6 ou en 5 en fonction de mon entrée du virage. Ouais. Ouais, mais il va te rester encore un tour. Tu as fait qu'un tour? Je sais pas comment c'est la Liga en temps normal. Si vous pouvez avoir une safety car ou deux, j'aurais presque envie de te dire de garder un train de soft, mais. Très bonne question. Le problème du soft, c'est que s'il y a une safety car en fin de course. Sinon, il ne sert à rien, je te le dis. Et selon ce que tu améliores, tu peux gagner combien de positions? Je sais pas combien il est le pot. Je pense que je peux gagner peut-être un dixième ou deux. Tu as 2 dixièmes de Pierrot, qui lui aussi peut améliorer. Donc, est-ce que griller un train de soft pour gagner une position, c'est intéressant? Oh de Dieu! Ouais. Wesh. Oh l'écart de zinzin, frère. Je suis dixième, je m'attendais à avoir être tranquille. 9e devant moi Willex, 4 dixièmes, je suis à 1 seconde 1 du leader. Wesh. Jusqu'ici notre meilleur tour est de 1,26,4. Ah ouais, oh putain, 6 millièmes, 35 millièmes, ça va aussi. Qui se lèche le cul là. Je sais pas moi Vinny, c'est toi qui vois. Tu mets quasiment 2 dixièmes. Tu as 2 dixièmes d'avance sur Fab qui est derrière toi. Oh, c'est putain, le but, c'est d'être devant lui. En fait, je perds tout dans le deuxième secteur. Je pense ma côte Beckett Chapelle, je pense. Oui. Ça peut servir vraiment que s'il y a une safety car dans les 6 derniers tours. Au-delà, ça te sert à rien. Maintenant, tu peux te faire. Tu as 2 tours, tu as deux circuits de la fin du Grand Prix, fin de la saison. En soi. Écoute, hier j'ai fait la course, moi, réaliste. J'ai gardé un train de soft. La safety car est sortie à la fin, j'ai mis le soft. Je sortais en médium, c'était mieux. D'ailleurs, c'est quoi la faute ici? Moi j'ai fait hard medium et je me suis senti mieux. Non, mais ouais, je pense que je vais faire pareil, ouais. En fait j'ai peur que le medium hard, j'ai peur que tu sois baisé si y a une safety car qui sort dans les 8 premiers tours. Ouais. Alors que si tu perds tes hard, derrière tu peux faire medium parce que les autres ils feront pas la fin en hard non plus. Donc, j'opterai pour un départ en hard, surtout à la P10, si ça reste comme ça, je pense que ça peut être pas mal. L'undercut est énorme, c'est-à-dire ouais, que j'ai undercut, j'avais Scudetto qui était collé à moi à 3 secondes. Ouais. J'ai pit au tour 15, il a pit au tour 16 ou l'inverse 14-15, il est ressorti à 6 secondes 9. Putain. Donc quasiment 4 secondes sur ma sortie en soft, en medium. Et lui, il était à l'inverse, en medium hard. Donc ce que je l'ai mis, je l'ai plus jamais vu ce coup d'étoile. J'ai fini P8, moi. Putain, pas mal. Ouais.
et Indien, Inois, Big Shoot, Tix, RCR Scuderia. Je m'en fous. Ok. Je vais essayer de se concentrer. Il vient de cut devant moi là, Indien, là, il vient de cut le... Moi j'aurais pas le temps de relancer. Après, tu vois, Vini, Fab, il a eu. Alors, je sais pas s'il est ressorti, en tout cas, je sais qu'il a pas amélioré parce qu'il a le même chrono. Pierrot, il a amélioré de 5 dixièmes, donc tu l'aurais pas redoublé. Pio, il est pas ressorti, mais il est en tour. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même les chronos qu'il y a ce soir là. C'est une dinguerie. Ah, il a perdu. Les chronos, ils sont juste extraordinaires. Hein. C'est. C'est, là, c'est fou. Alors là, par contre, Inois, il a un gros coup à jouer sur Willex. Hein. Sur Willex, il est que P9. Ouais, il est. Là, il y a un gros coup à jouer. Mais alors, on a un gros coup à jouer nous-mêmes. Hein. Parce que je suis... ça vient de faire tilt dans ma tête, mais... Alors, attention, hein, à prendre avec des pincettes. Hein. Willex, très fort en course. Hein. Oui, bah ouais, c'est Willex. Ça, c'est... Ça peut arriver qu'il se loupe aussi en qualif. Hein. Faut croire que ça arrive même au meilleur, mais... Voilà. C'est ça... Oui, mais Lou, il sait très bien que s'il faut lâcher, même s'il faut faire passer, il laissera passer parce que Lou, il sait ce qu'il a à faire, à se rassurer, à se remettre dedans pour la saison 15. Là, c'est la fin de la saison, c'est que du plus. Il est maintenu, il faut juste pas se faire écarter du. Je pense que c'est la première fois que je ne pense pas dernier. Non, tu n'as jamais été dernier dans les qualifs. Ouais, mais tu sais ça. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le salon des pilotes. C'est sur ça que moi je vois le classement d'un pilote. C'est sur ses perfs et les non-perfs des autres. Hein. Ouais. Et ouais, les absences, les DNF, les. Ben oui, mais c'est un tout. Ouais, mais c'est pas grave. Là, je t'avoue que. En tout cas, je suis content d'avoir ça. Bah, franchement, on est là. Hein. Moi aussi, je te kiffe. Moi aussi, je me kiffe. Oh, bah. Moi, je suis parti avec 1,3 et j'ai fini
avec deux safety cars à 1,7. 1,7. J'ai perdu sur la fin, j'ai pas cramé. Mais. Attends, en course, on met plus ou moins de pression des pneus? Moins. Je pense qu'en course, tu peux te mettre sur un 23-0 à l'avant et un 22-5 à l'arrière, 22-6 à l'arrière, mais ça suffit. Ouais, je pense que ça passe. 23 avant, 23-6 arrière. Hard medium. Ça, c'est bon. Je vois pas, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de pilotes en hard. Bah écoute, seul le départ nous le dira. Hein. Oh putain. C'est quel tour qu'il te propose de pit? En 14. 14 aussi. De toute façon, vous savez que l'undercut est très fort, donc. Si je dois rester en fond. En fonction. Tour 13, tu perds que 16. Ça va pas se jouer sur le tour 13 en fait. Ça va se jouer sur le tour 26. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu pites tour 13 avec des hard, comment ils vont être tes médiums à 13 tours également? Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, ils disent que sur toute la course, je perdrai que 16 tours. Ouais, bah écoute. Tente l'undercut. De toute façon, je pense que on sait pas comment ça va se passer. Hein. Je vous souhaite d'être côte à côte. Hein. Mais. Qui dit l'usure maximale des pneus, c'est 75%. Après, je sais pas si vous regardez. Si vous regardez la pression, la température, mais. Ça peut vite surchauffer si tu montes trop en température. Je sais pas combien c'est la pression des hard, mais je crois que c'est 100, 107 max. Ou... 105, 100, ouais. Je peux relancer. Ma couille. Par contre, je suis à l'intérieur. Je suis à l'XT pour une fois. Enfin, pour une fois. Il y a beaucoup de hard, hein. Tout est en hard autour de moi. Je sais pas, là j'ai entendu Firma qui disait Pio a raison, il part P13, Pio a raison. Mais je sais pas ce qu'il a mis comme pneu. Hein. Bon, ça sort large devant. Ils sont tous larges. Wow. Wesh Pierrot. Oh Pierrot me donne des coups de voix à l'Albator. Wesh. Oh là là. Oh là là. Albator, allez, abandon. Et safety car. Ouais, c'était sûr, c'était sûr. Ouais, moi du coup je vais remonter à P11, frère. Ça s'est vu dans les S, l'entrée des S, ça se mettait des petits coups de roue, ça a cut le circuit, ça s'est mis en tête à queue, c'était sûr. Tu enregistres toi ça hein? Oui, je suis en live. Ouais, c'est Pierrot. Pierrot est venu dans les S et du coup il a cut. Ça a poussé Albator à cut. Et à cut, c'est pris, je crois, Pierrot et à spin et ça a créé le bordel.
Ça, vous le gardez parce que. Ouais, mais t'inquiète. Il faudra le garder, ça, le. Ouais, les coups de roue, le retour en piste et. Bon, bah, je peux tout te montrer après, en fin de course. Je pense que. On va pas porter réclat parce qu'en soi, ça vous impacte pas. Ah non, moi, ça m'a pas impacté. Mais ça pourra peut-être. C'est des réclats d'être apporté des points de vue différents. Mais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi. Bah ouais, du coup, parce que j'ai tapé indien, mais. T'as tapé indien, mais c'est Vitek qui te. Attends, c'est Vitek. Non, c'est qui devant moi? Je sais pas, c'était McLaren devant moi. C'est Vitek, mais pourquoi ça a freiné devant toi? Bah, je pense que ça a freiné un peu trop brusquement. Je sais pas, je suis peut-être arrivé un peu trop vite, mais je sais pas, ça me paraissait un peu trop. Un peu trop, parce que là c'est moi, je fais de la merde. Je vais faire ça. Ok, compris. Si je mets. Attends, du coup, tu enverras un message d'excuse quand même. Oui, bien sûr. Pas trop faire maintenant, tu vois, mais. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est parce que j'ai pas vu ce qui s'est passé en fait, tu vois, c'est. Tu m'as dit quoi, Vinny? Non, on rentre pas maintenant. Alors attends, ça va dépendre de la dernière Alpine, Pierrot, comment il arrive. Hein. L'autre soir, jeudi soir, elle l'a rendu dans la chicane, alors. Ouais, ça. Reprends ta position. La voiture de sécurité est sortie. Les dépassements sont ouais, interdits. Repasse derrière. Pour moi? Ah oui, c'est ce que je comptais faire. Ouais, j'attendais parce que je croyais que tu parlais de toi. Non, je croyais que tu parlais pour toi. Je suis pas sûr que ça t'avantage parce que tu as gagné des positions. Tu es devant Fab. T'es hard, tu vas les pousser donc tu auras un meilleur relais de médium en fin de course. Bah oui. Du coup, t'es de loup, ça va partir dernier, mais ça sera que plus beau. Non, mais c'est que par contre, vraiment, ce genre de truc, ça n'arrive qu'ici. Vraiment, je vous le jure, ça n'arrive qu'ici. Il n'y a que ici, il n'y a que à la VMV, où j'ai des merdes, mais juste, ça peut être des trucs débiles, comme des trucs hardcore, comme aurait-il. Là, c'est un truc débile, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que j'ai dû ramer trop vite, ou ils ont dû freiner trop tôt, enfin, trop brusque. Mais il n'y a que ici où j'ai des dingueries. Genre, je roule le dimanche à la FFT, Winnie peut témoigner parce qu'il roule là-bas aussi. Je fais des courses clean avec Bruno. Je fais quoi à la LDL, pareil, le mardi quand je roule en D2, pareil, je fais aucune dinguerie, je roule propre, sa mère et tout. Il n'y a que à la VMV où il y a des trucs, juste des dingueries qui se passent sans prévenir. C'est une dinguerie, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une sorte de malédiction de la VMV? Je pense que c'est cette saison, il y a eu le noir qui s'est mis un peu sur ta saison à toi en fait. Ah mais même, genre là, il n'y a pas de contexte, enfin, c'est pas explicable en fait ce qui va se passer. Soit j'arrive trop vite, soit il freine trop brusque, mais il y a une erreur d'un de nous deux qui est terrible. Mais. Du coup, là ça rentre. Oui. Concentre-toi sur la fin de la course, essaye de pas te prendre une autre éclat parce que je pense que Vitek il va pas se gêner. Je verrai avec Indien s'il peut ne pas la mettre. Oh putain, vraiment, là, je me suis mis à une seconde de Fab, là.
Non, c'est bon, t'inquiète. Ma chope elle tombe pas. Relax dans l'herbe, relax dans l'herbe. T'as pas peur d'être sa course, hein, relax. J'ai l'impression qu'il est pas dedans non plus.
bizarre. Tu le prends en combien? Le dernier avant l'arrivée là? Pas la chicane, le long rapide. Ça se bat de fou. Ouais, Willex. Oh là là, Willex. Oh, ce qui tente. Oh, ce qui tente. Ah, il est frustré d'être derrière, hein, ça se voit. Oh, les malades. Oh, les malades. Bah, ouais, bah, c'est des malades, frère. C'est des malades. Logique, il part au large. Aïe. Ouh. Oh, c'est grave. Oh. C'est pris un coup de roue en plus par Big G. Ça va mal finir. Oh, mais c'est sûr. Ça va mal finir. Et j'y freine Vlato quand même. Je sais même pas pourquoi il freine ici, faut pas freiner. Ouais, oh là là. Oh, c'est grave, oh, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Oh, c'est grave maintenant. Il a boxe, Boulex? Non, BG sur Ilyes, c'est grave. Ah oui, on a vu. Ouah, c'est grave. Il y a une safety car, non? Safety car. Tu t'es pas bien sur tes médiums? Ok. Oh putain, le jeu il m'a marqué que t'étais rentré au stand. C'est grave. Moi? Ouais, c'est moi. C'est parce qu'en fait, c'est Indien et tout. Ils ont pit, ils sont passés devant toi au classement et ça m'a affiché sur ton nom. Ça a été trop rapide, ça. Vinny, tu souffres? C'est trop tôt pour boxe, hein, garçon. Trop tôt pour boxe. Bon, Ilyes il part au large, il est en train de cut du coup. Ilyes il va abandonner, c'est pas possible, il a fait que de la merde. Vitek il a pris une pénale. Je sais pas si Vitek va te faire une réca, je vais envoyer un message à Indien juste à la fin de la course. Je sais même pas qui c'est que je touche, je sais pas si c'est Indien ou Vitek que je touche. Non, Vitek. Mais j'espère que tu n'as rien cassé à Vitek, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Ça c'est la ferme. Oh, l'undercut qu'il a fait indien, c'est grave. Ah, s'il pouvait sortir une safety car là. Ah, je serais Gucci. Bien dépassé ça. Rentre, il faut que tu t'arrêtes sur ce tour. Je pense que ce tour tu boxes. Ouais. Toi Vigny aussi tu peux boxer, hein. Je pense qu'en soi, il va falloir limite tu les laisses passer parce qu'ils vont. Ouais, je te l'ai dit. Ils vont être agressifs tous les deux là. Ouais, il faut boxer. On pourra double pit hein, vu l'écart qu'on a. Oui, large. Donc go pour des médiums encore. Ouais. Puis devant toi, tu as... Vitek, il est sur 13 tours avec ses armes. Derrière toi, il y est 13 tours aussi sur ses armes. Pio 12 tours. Pierrot 12 tours sur ses médiums. Et après, ça a full box. Bah, ça boxe pour Vitek. Ouais, mais c'est sûr, celui-là. Fais pas le cœur. Oh, il a pris 5 secondes. Bon, je vais sortir loin derrière tout le groupe, là, à mon avis. Pas grave. C'est bon, vas-y. C'était un super arrêt. Beaucoup mieux que ce qu'on espérait. C'était notre dernier arrêt. Aucun arrêt n'est prévu pour aujourd'hui. Ouais. Ouais. À Silverstone, c'est pas simple, hein. Il y a plein de... Ça prend une pénale. Ça rentre. C'est fermé. Il a comparé Elias à Maldonado. Pourquoi ? Pour ses dingueries en course. Ah.
Votre retard sur la voiture de devant est de 3,0 secondes. Je veux pas s'accrocher devant là. Tiens, je suis même pas sûr qu'il se batte. S'il montre pas. Willex, il est encore loin de Big Shoot, tu vois. Je sais pas, c'est combien Vitek sur toi? C'est 8 secondes? Ouais. Bon, après, il a 3 secondes, il peut les faire sauter s'il reboxe, mais il le fera pas parce que. Box, il est cuit quoi. Avec 3 secondes. J'espère qu'il a rien cassé quand tu l'as touché au cul. J'essaierai de voir avec Indien s'il peut ne pas faire de réclat. Parce que ça te ferait perdre encore 2 points.
chaud de 3 secondes. C'est un bon coup à jouer, Lou. Ils font DRS entre eux, je suis pas assez rapide. Et ouais, je vois ça. C'est compliqué, hein. Mais. Il y a Pio qui perd tout devant avec ses hards usés de je sais pas combien de tours là. Il est combien? Il est P5, mais je crois qu'il a des tours de des pneus de. Là, il a pris 3 secondes en plus. Je vois pas, Firma il met pas les pneus, mais je crois qu'il a. Il a presque. Il a boxe au début, je crois, limite. Pierrot à spin, fini, fais attention. Voilà, je pense qu'il sera reparti. Ou 20 tours il a les pneus de Pio. Non, Pierrot, pardon. L'écart avec notre coéquipier est de 40,5 secondes. Pierrot n'a pas aimé les médiums. C'est dommage. Bah après, c'est pas grave, hein. Il est à quoi, 5 secondes? Eh oui, il est à quoi, 5 secondes? Eh, tu as 2 secondes à tenir sur 3 tours. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Frère, le tube, c'est trop. Je veux pas crever, Piolin. C'est vrai. Tu le vois, ça. Tu fais 26 tours sur les hards, quoi. Presque, il fait 24 tours ou 25, je sais pas comment il fait. Ah,
j'espère tellement que quand tu tapes au cul à Vitex, ça lui casse pas le fond plat ou le diffuseur. T'as tapé fort quand tu as tapé dedans? Je sais plus. Tu avais cassé l'aileron quelle couleur? Tout rouge. Tout rouge? Ah oui. J'espère que ça lui a pas cassé le fond plat parce que vu les difficultés qu'il a. Tu as encore 4 secondes, ça peut le faire. Pio, il perd tout, hein. Ouais. Sur 2 tours, normalement, tu devrais le rattraper aussi. Vitek, il est en train de le rattraper aussi. Tu as à trois fois rien de prendre Pio aussi. Théo Ilex pouvait sortir. Se dépasser comme ça. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Vitek a passé plus haut. Ouais, tu vas le bouffer. Bien joué. Ça s'est sorti devant. Aïe, aïe, ça s'est sorti, full sortie, attention. P9. Oh là là, la réclat du dernier tour là. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il va prendre les noix? Ah, c'est moi qui le mets en tête à queue. Bah en fait, si tu veux, Siné, il dépasse au DRS avant truc machin, le dernier virage là. Ouais. Et arrivé à la chicane, en fait, Siné, il se loupe sur le premier gauche. Inoua, il lui fait l'intérieur. Sauf que Siné, il est à sa droite, à sa hauteur. Et en fait, Inoua, il resserre sur lui. Bah merde. Et en resserrant, il lui touche la roue avant droite, ça le fait partir en spin. Il y a Noski qui arrive derrière lui, et il peut pas éviter, il donne un coup de volant et il se part en spin aussi. Donc tu as Siné et Noski qui prennent cher tous les deux. En fait, ils étaient 2-3, ils finissent 7-8. Et c'est Indien qui passe à l'as au milieu de toutes les voitures, qui était P5, qui finit P2. Avec la pena de Klein. Du coup, c'est Vitek que j'encule.
C'est Vitek, ouais, tu peux envoyer un message tout de suite et lui demander que tu lui dis que tu t'excuses, que tu as pas compris ce qui s'est passé, ça a freiné d'un coup, et que tu espères que tu lui as rien cassé, que ça l'a pas endommagé pour la course. Tu vas voir ce qu'il te répond tout de suite, et puis voilà quoi. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ça veut dire quoi? Non, il va demander la pauvre. Dis-lui que tu n'as pas compris ce qui s'est passé, ça a freiné d'un coup et tu dis que tu t'excuses. Est-ce que je t'ai cassé quelque chose? Tu vois, ça va peut-être détendre le truc. Avec un peu de chance, peut-être on s'en sort bien. Tu prends 1 plus 2, tu prends 3 points. Noski, VMV Firma, désolé frérot, mais j'arrête pour cette saison, ça me dégoûte. Qui? Bah, à ton avis. J'ai pas entendu. Noski. Noski? Bah là, c'est faute à son partenaire, hein. Non, non, mais j'avais pas peur de prendre 5 secondes, quoi. Ah, il a pas de dégâts, je crois, Vitek. Ah, Skip, il a plus eu de dégâts. J'avais peur de prendre 5 secondes. Du coup, dis-lui, tu n'as pas pris. Si jamais tu. S'il faut, tu parles même en. Ouais, quoi que ça sert de parler en DM en soi. Il y a déjà des réclamations. Hein. Demande retrait des 5 secondes qui me fait finir deuxième. Quelles 5 secondes? Qui, quoi, comment, au coup? Ah ouais, Glenn, non, c'est Glenn qui a fait une demande de récla pour lui enlever les. Ah. Pio, il a fini Oh. avec 90, c'est Ouais, ça. je Ah, suis il a crevé. 100%. Il a crevé à la fin, il a crevé. C'est pour ça qu'il a tout perdu. Bon, en fait, c'est Hamilton 2020. Glenn. Bah, pourquoi tu veux faire retirer 5 secondes de péna? J'ai pas compris. De quoi? Bah, Glenn, il demande de se faire retirer 5 secondes de péna. J'ai pas compris pourquoi il se fait retirer 5 secondes de péna. Frère, il y a deux voitures devant lui qui rentrent au box. Il arrive comme un fou derrière. Il freine, mais il vient taper au cul à. Ah oui, il prend 5 secondes pour collision grave. Wesh. Ben oui, c'est ce que tu prends. C'est ce que tu as pris quand tu tapes sur le cul de Vitek. C'est comme si toi, tu demandes à te faire retirer la péna de Vitek. C'est toi qui. Non, c'est moi Non, qui mais tu suis vois ce con. que je veux te dire. Si maintenant, tu tapes au cul de Vitek et que c'est Vitek qui prend la collision. Que lui porte la réclamation pour que ça lui enlève, je suis d'accord. Mais là. Non, 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 parce qu'il a joint le truc pour montrer que c'est là qu'il a pris les 5 secondes. Mais en plus, moi, je suis en direct. Je suis en direct. Ben, il aurait fallu qu'il joigne le truc, mais j'étais en direct quand j'étais sur lui, donc. Bah putain, en vrai, je suis pas déçu de ma soirée, je suis pas content. En vrai, ça va, c'est une soirée normale, même Ben, disons si que ça a été je manque de rythme. compliqué. Tu manques de rythme. Après, tu as eu, je pense, les doutes sur. Contre-la-montre.
Tu as eu les doutes sur Vitek, alors envoie-lui un DM. Envoie-lui un DM en vrai. Dis-lui genre tu vas me mettre une récla ou pas, où je peux dormir tranquille. Parce que je t'avoue que. Enfin, tu dis un truc du genre en privé pour pas que les gens. Bon, personnellement, j'enlève pas la récla, moi, de. J'enlève pas sa récla. Demande retrait des 5 secondes qui me fait finir deuxième. Mais pourquoi tu veux une. T'as le drapeau 60. T'es pas à 60. Devant, ils font comme toi. Pourquoi tu veux. En vrai, si devant il peut y avoir des petites plaintes et tout ça, moi je dis pas non. Je sais pas trop. Ilyes, il est derrière toi? Oui. Si tu veux, je pourrais t'envoyer ce qui s'est passé là avec les accrochages de Pio, tout ça là, ce qu'il y a eu au départ. Enfin, pas au. Ça, c'est eux qu'il y a eu là avec. Je pense que Ilyes il va prendre cher, mais je pense. Mais il est pas le seul parce qu'il y avait beaucoup de monde qui mettait des coups de roue et qui se mettait pas à la place. De. Attends, je vais regarder le classement, je l'ai pris en photo. Enfin, si ça a marché. Inois, Indien, Khazar, Klen, Willex, Big Shoot, Noski, Siné. Je crois pas que devant toi, tu aies des gens qui vont avoir des réclats contre eux. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Parce que Inois, il a fait une connerie. Pour moi, il a fermé la porte sur Siné et ça coûte la deuxième place ou quoi, mais. Même si Inoua il prend 5 points pour avoir fermé la route au dernier tour, ça te fera rien. Indien ouais. Il a pas fait de dinguerie. Khazar, il y a Big Shoot qui a dit qu'il buguait apparemment, mais c'est un réserviste donc en soi ça ne changera rien. Klen, c'est un réserviste, ça ne changera rien. Willex, je sais pas si c'est Willex ou si c'est Indien qui a fait, ou si c'est Ilyes qui a fait de la merde sur lui, mais je pense pas que ça soit Willex parce que je crois qu'il a fait une seule dinguerie sur Noski parce qu'il a dit que c'est sa première fois. Donc il mettra pas de réclamation. Mais. Attends, j'ai la réponse de Vitek. Ok, c'est bon. Il t'a dit qu'il en mettait pas? J'ai mis encore des autres, tu comptes porter réclamation. Il m'a dit, il n'y a pas de mal, t'inquiète. Et non, non. Ça, c'est cool, ça. Mais apparemment, il a pas de dégâts. En vrai, j'avoue, je sais pas trop comment, puisque vu la vitesse, enfin. Ouais, vu mais. L'impact que j'ai eu avec lui, bon. J'étais en train d'écouter, je dis qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est con. Il est con. Et genre t'as pas crevé, si début du dernier tour j'ai joué, j'ai perdu 2 tours de moins, ça pouvait faire P6. Et Firma il dit Epio, tu vas vouloir faire sauter la P2 inespérée de McLaren ce soir ou pas, juste qu'on sache d'avance. Parce qu'en fait, Pio, il a fait une réclamation, il a fait appel contre le truc de la récla du Brésil, là. Et il demande à ce que Pio soit pas enlevé ses pénas, en fait. Là, je suis dégueu, parce que je sais pas si tu te souviens, il y a un moment où on a écouté en sur le Oui, on s'était bataillé, ouais, je me souviens, c'était sur le 22, je crois. Non, c'est ici, sur celui-là, au début. À l'endroit? Oui. Oh putain, je me souviens pas. Enfin, sur le 22, j'ai pas joué en. Je me souviens du coup, mais. Putain. Regarde Lou la vidéo qu'il a mis Noski. Oh, il se l'envoie dans la gueule. Ah! Regarde, c'est Inoua qui ferme sur Ciné. Et
Et Noski qui arrive derrière, qui prend l'arrière sur l'avant. Mais tu Ah m'excuseras, hein, ouais. quand tu vois ça, il a le temps de l'esquiver. Il freine, mais tu dois donner un coup de volant, garçon. Bah Il il a... reste sa... ouais il reste il il change reste pas de sur sa trajet. trage, alors qu'il a largement le temps de le faire. Après, c'est compliqué, dernier tour avec les pneus usés. Mais regarde, tu vois, ils perdent tout. Ils perdent tout, tous les deux. Ils sont deux et trois. Putain. Et c'est clairement Inoue qui resserre sur lui, sur Siner, on est d'accord. Ah bah là oui. Après c'est parce qu'en fait Siné sort large, il prend Et pas il oui. voit prend pas en compte le fait qu'il vient, ouais, Et c'est assez oui. Et compliqué. après, Siné, il revient dans l'intérieur du virage alors que Inoue est devant, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que si Inoue, il reste large, il aurait eu l'avantage sur l'arrêt Axel 100 fois. Donc quoi qu'il arrive, Ah oui. c'est grave quoi. Mais bon, écoute, on limite la casse avec toi, Lou, hein, parce que tu étais mal embarqué en qualif, et puis tu arrives réussi à, malgré tout, Je reprends deux places sur mon garder ça ton comme ça. rythme. Après, bon, c'est vrai que pour toi, Vinny, ça a été compliqué cette péna. Je pense que quand tu as pris les deux Avertos, tu es sorti un peu de ta course. Tu as lâché ton rythme pour éviter de la prendre, et au final, tu la prends quand même. Bon, ça fait pas, ça fait, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de points, mais en soi, il marque un chou, il y a plus de points que nous, As. Ils ont fait combien, Willex? Il a fait combien? Il a fait, non, 7 ou 8, non? Non, il a fait, je crois, il est deux places devant moi, je fais les P7, hein. P7. Et Fab, il est juste devant toi, Vini? Non, il est 13e. Fab? 13. Donc 13e. Ça fait 13e, ça fait 5 points. Et tu as dit, il est 7e, Willex? Je crois, ouais. Donc ça fait 19. Ils ont fait 19 et 5, et ça fait 24 points. Et nous, on a fait 9 et 15. Donc 9 et 15, en théorie, toi, 9, 9, tu dois marquer 13 points ou 15 points. Ah, 9e, ça fait 15 points. Pourquoi 9, ça fait 15 et 7, ça fait 19? Ah oui, c'est ça. Ça fait 15 points. Et toi, Vini, tu as fini 13, 14, 15. Pourquoi? Ah, P5, ok. Ah, mais oui, avec la dinguerie, il récupère les deux places Ah, bah devant ouais, du lui. coup, putain. Ah oui, c'est plus 19 points, c'est 23, 5e. Ouais, ça peut être bien. 23, donc 23 et 5, ils font 28, d'accord? Et nous, on fait 15 et P15, c'est combien? P15, c'est 3 points, non? J'ai dit tout à l'heure. Non, en fait, tout le monde. De 15 à 20, c'est un point. 14, c'est 2. 13, c'est 3. Mais après, tu rajoutes les plus 2. Parce que moi, je calcule sur l'ancien barème, en fait. Je suis en train de regarder 15e. Il n'y a jamais personne qui finit 15e en Liga? Ou finissez jamais 15e ou... Je sais pas, j'en sais rien. Attends, je vais aller voir en Ligue B. Parce que je sais qu'en Ligue B. 15e, c'est 3 points. Donc, vous faites 18. Alors que eux, ils font 28. Sachant qu'on avait 21 d'avance et qu'on en perd 10, on a toujours 11 points d'avance ce soir. Sachant que les autres catégories ont roulé ou pas? Non, ils ont pas roulé encore. Ben non, ils n'ont pas roulé. Et Carpetto, demain, il n'est pas sûr d'y être parce qu'il n'a pas reçu son nouveau volant. Autant il va chez Firmin pour chercher une roue. Mais c'est pas dit qu'il soit au top de sa forme parce que ça ne sera pas une roue qu'il connaît. Donc, nouveau volant, nouvelle base et tout, il sera peut-être pas du tout au rendez-vous. Mirta, oui, je sais qu'il est très fort sur Silverstone pour avoir fait trois courses avec lui cette semaine. Donc Aistrod qui est très fort aussi parce que j'ai roulé avec lui l'autre jour. Donc j'étais avec lui à l'Utah League et il a marqué encore des gros points. Il a pris une péna, il a fini 7e, mais il était limite P3, P4. Et c'était que des gens de la Liga devant, les 5 premiers. Donc comment te dire que demain c'est de bon augure. Donc à nous d'être devant. Et puis pour la Ligue C, de toute façon, ils seront devant quoi qu'il arrive. Flo et Sahel, ils peuvent pas être derrière Puff Puff et Mike parce qu'ils sont nuls à chier de toute façon. Donc voilà, moi ce qui m'inquiète maintenant, c'est McLaren. McLaren,